mesdames et messieurs, bonjour, c'est Béfa, on se retrouve au Brawl Stars exceptionnel, le nouveau brawler. Et en plus, vous pouvez le jouer en ce moment, le nouveau brawler, avec l'hypercharge événement, enfin la quête plutôt, hein, les 25 victoires, etc. On va voir si ce brawler, ça vaut le coup de l'acheter quand même. Donc si ça vaut le coup de l'acheter, c'est qu'il quand même peut battre beaucoup d'autres brawlers, c'est important, c'est le fameux test, lui contre toutes, est-ce qu'il est plus fort que les autres, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner un skin Rodeo Hank, voilà, et à 4000 pouces bleus sur cette vidéo, on en fait un autre, voilà, j'en ai un certain nombre à faire gagner, donc profitez-en, voilà, code créateur PFA dans la boutique, pour les vrais qui soutiennent la chaîne, etc. Abonnés, concours pour les abonnés qui soutiennent, etc. etc. Alors, voyons voir un peu ce qu'il vaut. Ce petit, enfin il vaut quelque chose de pas mal de ce qu'on a vu, mais bon, il faut être en être sûr. Donc Shelly corps à corps les gars, déjà battre une Shelly corps à corps avec le petit Star Power bouclier. Et là vous voyez, il a pas sa charge à fond en plus, hein. Il fait des tests avec même pas la charge à fond, regardez son four, il est qu'à la moitié. Et vous savez qu'il fait encore plus de dégâts quand il a une barre complète, très intéressant. Et là il s'est fait quand même, Bull ça va être compliqué du coup là. Oh non, c'est même pas compliqué, les gars, ça c'est hyper impressionnant. C'est un long range les gars. C'est un long range qui a battu corps à corps une Shelly et un Bull. Hein. C'est quand même. Alors je sais bien que le test, il y a des trucs à prendre en compte, gadgets, star power, etc. etc. Et là on n'est même pas hyper chargé. Hein. Et c'est un brawler qui peut s'hypercharger. D'accord. Bon alors l'hypercharge, c'est vrai que ça prend quand même un certain temps pour l'avoir. C'est mieux comme ça d'ailleurs, parce que sinon ça serait un peu trop cheaté. Vis-à-vis des brawlers qui l'ont pas encore. Voilà, ça va faire une diff, mais. Oh le beau skin de Rosa, et regardez sa patte, il va tous les fumer en fait. Ah non, il a pas fumé Rosa. Ok, donc après la petite Jessie, ça passe tout seul, voilà. Petite Jessie ça passe tout seul, petit Dynamite aussi, normalement je suis très confiant. Là, les questions qu'on peut se poser c'est contre qui va pas passer en fait. Je pense qu'il va faire beaucoup mieux que ce qu'on a vu en fait avec Doug, c'est vrai que c'était pas une super surprise hein, Doug. Il était pas foufou, regardez, chargement ici, moitié. Non mais ça veut dire en fait la Rosa il l'a batté, même lui en fait il le bat s'il a son four à fond normalement. Ouais hein. Et encore il a un ulti ultra cheaté hein, quand même. Hein. Il a un ulti ultra cheaté. Ok Daryl ça passe peut-être pas, effectivement Daryl a mis plus de dégâts avec son double flingos. Penny ça passe tout seul les gars, pas de surprise. Karl ça passe aussi 1000 HP, ah peut-être pas, attendez on va voir, ouais, wow, s'il est passé large les gars, wow, il reste 5760 derrière. Jackie corps à corps, ah non ça passe pas, Jackie quand même, hein. Jackie quand même, Gus ça passe tranquille pour moi, sans aucun doute. Beau, pareil, il n'y a pas de raison, voilà. Alors ok il reste que 1k2 mais quand même, Ems. Oh, égalité, Ems. Je pense qu'elle est morte avant. Mais bon, c'est considéré comme une égalité malgré tout. C'est vrai que si on était en prime, bah, il y aurait les deux kills, hein, de toute façon. À partir du moment où il y a les deux kills. Ok. Poly, facile. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous s'écartez, quoi. C'est-à-dire que c'est les mêmes dégâts de loin, quoi, quand même. Hein. Ok, Franky passera pas. Ça serait trop énorme. Mais déjà qu'il le descende à 975, 14000 HP les gars. Respect quand même. Billy à 9600, ça me fait bizarre quand même de l'avoir à 9600 la Billy. Hein. Pas loin des 10k HP. Bien à 4 minutes, elle est restée faible. Hein. Ensuite, le petit Nani Ares. Eh non, Nani est devenu très fort les gars. C'est vrai, Nani est devenu très fort. Faut que je teste Nani. Je suis pas fan de ce brawler. Ah par contre, je suis fan du Edgar avec son skin là. Extraordinaire, extraordinairement cher aussi. On continue avec le Griff coffre-fort qui n'est pas passé. Ah ouais, hein. Mine de rien, il y en a quelques-uns, mais c'est pas ceux à qui on pensait. Hein. Enfin, moi personnellement, je pensais pas à eux. Bolly and Clyde, allez, let's go. Ça la nettoie. Il y a 21 brawlers passés, 9 pas passés, quand même 9. Hein. Non, il y a une égalité. Il pourrait dire 8,5. Il passe le Mortis. Ensuite, la Tara. Non, la Tara, elle ne passe pas la Tara. Tara est très forte à ce point-là. Choqué, les gars. Jean, ouais, frère. Jean, tu lui roules dessus, normalement. Jean roulait dessus. Max. Non, Max a aussi roulé dessus. J'ai eu une hésitation. Je me dis, attends, Max, il s'est pris un... Mr. P, non, pour rien. Ouh, dangereux, hein. Dangereux, Mr. P, les gars.
Wally, non. Wally, non. Mr. P dangereux, les gars. Byron, alors qu'est-ce qu'il vaut maintenant? Il a 4800, il pourra rien faire. Par contre, il faudrait qu'il rechauffe le four, les gars. Regardez, il part avec un four très bas. Hein. Regardez, il a rien. Et vraiment, il est en bas de four. Il pourrait l'attenter autrement. Ok, Gray, ça passe tout seul. Pour l'instant, il est quand même 30. Il bat tous les brawlers, les gars. Enfin, il en bat à 2 sur 3 à chaque fois, là. En moyenne. Et là, je pense que ça monte plus que ça. On a 32-10. Je pense qu'il va battre en vrai les 3 quarts. Hein. Peut-être même plus. Hein. Bah, je suis pas sûr, là, dans les 20 restants, là. Enfin, un peu plus de 20 qui restent. Regardez, là, ça passe tranquille. Hein. Ambre aussi va passer tranquille. Bam. Voilà. Intéressant. Donc, faut-il acheter le brawler? Je dirais oui, quand même. Hein. Surtout qu'il a une hypercharge en plus, donc ça va être une dinguerie. Hein. Brawler en plus, très sympa à jouer. Mécanique plutôt cool. Le Chester ici, attendez, ça dépend si t'as 4 d'un coup là, ça peut faire mal. Oh, les 4 d'un coup qui met un 720 restant, ça ne finit pas. C'était à deux doigts de passer pour Chester. Il aurait peut-être fallu. Alors après, ça dépend aussi des équipements, les gars. Si on a un petit équipement dégâts, ça peut faire une différence sur le dernier coup. On va voir si Colette a l'équipement dégâts d'ailleurs. Non, elle a pas. Mais lui non plus, hein. Donc en vrai c'est équitable, mais parce que c'est des proportionnalités, mais... Alors c'est des proportionnalités de pourcentage, mais c'est vrai que si tu as plus de dégâts de base, ça peut faire un diff. Ok. La belle, tranquille. Qu'est-ce qui peut nous rester de problématique? Buzz peut être un problème. Voyons voir. Ah ouais, Buzz est un problème les gars. Pré-shot ici. H aussi peut être un problème. 10k HP. Et H, regardez, attention, il va faire mal. 3200. Waouh. Et ça passe quand même. C'était chaud. Papuche, je t'en prie, viens t'asseoir, chérie. Voilà. Papuche, je le présente plus. Hein. Voilà. Ensuite, on a Fang. Ouais, quand même. Égalité avec Fang. Ensuite, on a. Jeannette, non normalement Jeannette ça passe tranquille. Jeannette il passe tranquille. Ensuite Otis, il avait un petit ulti pour muter, ça arrêtait pas mal, mais bon on joue sans ulti en même temps. Il aurait pris un ult de cookie là, ça aurait fait très très mal. Là il avait un four un peu plus, je sais pas si vous avez vu, mais on avait des dégâts à 700 et quelques. Mais s'il pouvait mettre un petit coup de 900 au début, ça sera encore. Moi je dis franchement les gars, si on refait le test avec full four. Déjà, il y en a beaucoup moins que 12 hein, qui battaient. Hein. Ah oui. Hein. Qui le battait. Ok, RT, je pense que c'est pas évident. Ça passe quand même. Ok. Ah, il est bien. Hein. 52-12, les gars. Ah, 52-12, ça commence à être. Ça commence à être des super stats. Hein. Déjà, passer les 50, imagine. 72 brawlers, t'en bats 50. Là, c'est énorme. Hein. Là, il est vraiment énorme. Hein. Même dans ces conditions-là. Je sais bien que les conditions sont pas réelles et ça peut faire des petites différences avec les gadgets, etc. Mais quand même, malgré tout, c'est quand même pas un brawler corps à corps de base. Il a un tir long range. Regardez quoi. Ça veut dire. Moi, je sais pas. Moi, ça me paraît fort. Hein. Alors, est-ce que c'était aussi cheaté que Cordelius à sa sortie? Le résultat final, les gars, regardez-moi ça. Il y a très peu qui passent pas et encore. Oh, c'est discutable. La Rosa est discutable. Tout est discutable. Très très bon brawler, moi je vais pas hésiter à le gémer, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.